Salut à toutes et à tous les amis, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va tout simplement prédire la quatrième journée de la Liga. Et avant tout les amis, il faut faire le récapitulatif de la troisième journée de la Liga. C'est parti. Et c'est parti les amis pour le récap de la troisième journée de la Liga. Pour le premier match, Gérone-Celta Vigo, j'avais mis un nul et vous les amis, vous avez mis un nul aussi. Et c'est le Celta Vigo pardon, qui a gagné 1-0 à l'extérieur. Pour le deuxième match les amis, de la troisième journée de la Liga, la semaine dernière, on avait mis tous les deux le Real Betis gagnant. Et c'est le Real Betis qui a gagné sur le score de 1-0 si je ne me trompe pas. Donc on continue pour le troisième match, Elche-Real Sociedad. J'avais mis une victoire de la Real Sociedad et la Real Sociedad a gagné. Vous aussi les amis, vous avez mis une victoire de la Real Sociedad et c'est la Real Sociedad aussi qui a gagné. Donc on est toujours à égalité les amis pour l'instant. Je vous rappelle les amis que la semaine dernière, vous m'avez battu 5-4. Il faut donc que je gagne pour cette semaine. Le quatrième match de la Liga les amis la semaine dernière, c'était le Rayo Vallecano face à Mallorca. On avait mis tous les deux le Rayo Vallecano gagnant et c'est Mallorca qui a gagné les amis à l'extérieur. Almeria-Séville, on avait mis tous les deux Séville gagnant et c'est Almeria qui a gagné. Pour l'instant les amis, sur les 5 premiers matchs, on a le même score. Le 6ème match, Getafe-Villarreal, Villarreal pour tous les deux et c'est Villarreal qui a gagné. Et là on continue le Barça les amis, le 7ème match, Barça-Real-Valladolid. Pareil, le Barça a gagné, on avait mis tous les deux le Barça. On continue pour le Real les amis, c'est la même chose. J'avais mis le Real, vous avez mis le Real, donc le Real a gagné aussi. Et c'est là que ça change les amis, c'est là que ça change et c'est là que tout change. C'est Cadiz-Bilbao, j'avais mis un nul entre les deux équipes et c'est Bilbao qui a gagné 4-0 il me semble à l'extérieur. Et pareil pour Valence Atlético, j'avais mis un nul et c'est l'Atlético qui a gagné les amis sur un but de Griezmann. Donc au total c'est un 2-0 pour vous les amis en termes de différence. Au total sur les deux semaines les amis, vous m'avez battu sur la deuxième semaine et la troisième semaine, donc ça fait un 2-0 au total pour vous aussi. Faut que je me ressaisisse les amis pour gagner cette journée. C'est parti pour les prédictions de la troisième journée. On commence les amis, c'est parti. Premier match, Celta Vigo Cadiz. Celta Vigo, je vais dire c'est la victoire de Celta Vigo. Celta Vigo est beaucoup plus en forme. Cadiz qui n'a toujours pas gagné de match ni fait de nul, il me semble. Donc Celta Vigo pour la gagne dans ce match. Deuxième match, Mallorca-Gérone. Pour moi, ça sera un nul, les amis. Un nul entre deux équipes, entre Mallorca et Gérone. Je pense que Gérone est meilleur à la maison et Mallorca n'a pas les atouts nécessaires pour battre Gérone. Pour moi, c'est un nul. Le Real Madrid Real Betis, les amis, un duel au sommet entre deux équipes. Le Real Madrid qui gagne pour moi face au Real Betis. Le quatrième match, les amis, Real Sociedad Atlético Madrid. Un très très gros match dans cette Liga, dans cette troisième, dans cette quatrième journée, pardon. Real Sociedad Atlético Madrid, je vais aller sur un nul, les amis. Un nul entre deux équipes. Pour le cinquième match, Séville-Barcelone. Séville-Barcelone, les amis, Séville ne va pas bien du tout. Et je pense que le Barça va gagner là-dessus. Donc Barça pour moi. Le sixième match, Osasuna-Rayo Vallecano. Osasuna-Rayo Vallecano, pour moi, ça sera un nul, les amis. Encore un nul. Le Rayo Vallecano, même s'ils ont perdu contre Mallorca, je pense qu'ils peuvent le faire face à Osasuna qui commence un bon début de saison. Mais je pense que ça sera un nul aussi, les amis. Le septième match, Bilbao-Espagnol, pour moi, ça sera un nul aussi, les amis. Certes, Bilbao, ils sont forts, mais je pense qu'Espagnol, après le match contre le Real, ça va beaucoup, beaucoup les motiver. Ils vont faire un gros match face à Bilbao. Et pour moi, ça sera un nul. Villarreal-Elche, les amis. Je pense que ce sera une victoire facile pour Villarreal face à Elche. Le neuvième match, Valence-Retafe, pour moi, ça sera une victoire de Valence Retafe. Ça se passe très très mal pour Retafe en ce début de saison. Et enfin, Valladolid Almeria. Pour moi, ça sera une victoire à domicile pour Valladolid. Voilà les amis pour les prédictions de la quatrième journée de la Liga. Avant que je vous laisse tranquille, allez voter dans l'onglet communauté. Mettez dans les sondages vos votes pour les matchs de cette semaine. Et voilà, on se retrouve très très bientôt les amis. Salut et profitez des vôtres.